L'armée ukrainienne en déroute dans l'est du pays. Les forces de Kiev ont dû se replier et abandonner l'aéroport de Louhansk après des tirs d'artillerie. L'Ukraine accuse la Russie de déclencher une grande guerre. À proximité des combats, les habitants s'abritent dans des caves. Le conflit, qui a déjà fait 2600 morts depuis la mi-avril, voit la tendance s'inverser sur le terrain. Les forces ukrainiennes, qui avaient regagné du terrain en juillet, essuient désormais une série d'échecs qu'ils imputent largement à la présence de troupes russes aux côtés des séparatistes. Ce que corrobore ce militaire ukrainien présent à Louhansk. Nous avons vu les soldats russes nous tirer dessus depuis la frontière, dit-il. Les signes d'un retrait des forces ukrainiennes s'accumulent entre le fief rebelle de Donetsk, la frontière russe à l'est, et le port de Mariupol au sud. Alors que les discussions sur la crise ukrainienne doivent reprendre vendredi à Minsk, au Bélarus, le président ukrainien Petro Poroshenko a évoqué une agression directe et ouverte de la Russie.